Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma nouvelle stratégie 2021 que j'utilise aujourd'hui pour la nouvelle saison pour placer et sélectionner les paris long terme. Les paris long terme, c'est quoi? C'est en fait un type de pari qui ne se joue pas sur un match, mais sur un ensemble de matchs. Ou tu peux aussi voir ça comme un pari que tu places sur une compétition, sur un classement en championnat par exemple. Qui va gagner tel championnat? Qui va terminer dans le top 4 de tel championnat? Donc forcément, c'est un pari que tu places et qui se règle plusieurs mois plus tard. C'est pour ça qu'on dit long terme, mais ça peut être plus court, ça peut être un mois, genre l'Euro par exemple ou Coupe du Monde. Tu peux faire un pari sur un mois hein, qui va terminer en demi-finale d'une Coupe du Monde, ça dure un mois, mais c'est aussi un pari long terme. Donc en gros, c'est un pari qui s'applique sur un classement de compétition. Ça, c'est une bonne définition d'un pari long terme en plus de la durée. Alors avant que je t'explique ma nouvelle stratégie, celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour sélectionner mes paris long terme que j'ai utilisé en 2021, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être averti tous les lundis, tous les vendredis et tous les lundis, oui, quand je publie une nouvelle vidéo. Voici. Donc j'ai résumé ça en 4 points que j'ai appelé les 4 secrets les 4 secrets pour sélectionner tes paris long terme. Si tu en places, eh bien, je pense que ça te sera très utile. Secret numéro 1, c'est de regarder le dernier classement. Quelle est l'information, à ton avis, l'information la plus pertinente que l'on ait pour déterminer le classement de la saison à venir? Eh bien, c'est le classement de la dernière saison. Alors certains diront, oui, mais non, d'une saison à l'autre, tout peut complètement changer. Oui, mais c'est le meilleur estimateur de ce qui va arriver dans la saison à venir. Pourquoi? Parce que la saison dernière est plus importante, tu es d'accord, que la saison d'il y a 2 ans, que celle d'il y a 3 ans, que celle d'il y a 10 ans. Ok, donc le meilleur estimateur, c'est la dernière saison pour moi. Du coup, je jette un œil sur le classement de la saison passée, la saison qui s'est terminée, et ça me donne un ordre de grandeur, une idée, ok, qui a terminé premier, deuxième, troisième, quatrième. Souvent, je regarde, on va dire, les 4 premières équipes. Okay. Donc, pour moi, c'est le point de départ de l'analyse. Je pars de ce qui est dernièrement connu et après, je vais essayer de faire évoluer ça dans le futur. Secret numéro 2, et là, c'est... Je ne vais pas dire que ce n'est pas inédit, mais je ne connais pas grand monde qui fait ça. C'est de regarder la valeur de marché de chaque équipe et d'en faire le classement. Alors, c'est quoi la valeur de marché de chaque équipe? C'est simplement le total de la valeur de marché de chaque joueur. Forcément, plus les joueurs sont de qualité, plus ils sont estimés chers sur le marché du football, dans le business du football, et plus l'équipe est de qualité, tu comprends bien la logique. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une corrélation énorme entre la valeur de marché d'une équipe ou la richesse d'une équipe, peu importe comment tu interprètes ça, mais c'est vraiment une valeur de marché de la totalité des joueurs. Il y a une corrélation énorme entre la valeur de marché des équipes dans un championnat et le classement final dans ce même championnat. Tu ne me crois pas, je te donne 2 exemples. Premier exemple, en première ligue. Si je te donne l'équipe, je ne peux pas te dire si c'est la plus riche. Souvent, c'est la plus riche aussi, mais en tout cas, c'est celle qui est le plus de qualité, le plus d'argent dans ses joueurs. C'est Manchester City, numéro 1. Numéro 2, Chelsea. Numéro 3, Liverpool. Et numéro 4, Manchester United. Regarde maintenant le top 4 de la saison passée en première ligue. Man City, Man United, Liverpool, Chelsea. Donc, les 4 équipes les plus riches sont les 4 équipes du top 4. Alors, ce n'est pas exactement dans le même ordre. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que c'est vraiment une photo du classement, mais tu vois bien que ça te donne un bon ordre de grandeur. Man City, équipe numéro 1, elle finit premier au classement. Chelsea, équipe numéro 2 en termes de richesse, 4e au classement, donc on peut à la limite dire que c'est une sous-performance. Liverpool, 3e en termes de richesse, 3e au classement.
et Man United quatrième en termes de richesse et deuxième au classement. Donc corrélation énorme. Deuxième exemple en Liga espagnole, l'équipe la plus riche, Real Madrid, ensuite Barcelone, ensuite Atlético Madrid et ensuite Séville. Quel a été le classement de la saison passée, donc 2020-2021? Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelone, Séville. Le même top 4. Encore une fois, pas dans l'ordre. Mais on voit que les 4 équipes les plus riches sont les 4 équipes qui terminent aussi dans le top 4. Je te conseille de faire le même exercice en Serie A italienne, en Bundesliga allemande, en Ligue 1 française. Regarde, dis-moi un peu dans les commentaires ce que tu penses de cette corrélation. Et je trouve que c'est une donnée super, super importante pour déterminer le classement futur, ou en tout cas une estimation future d'un championnat. Je pense que tu peux être d'accord avec moi. Ça, c'était le secret numéro 2. Le secret numéro 3, forcément, je connais le classement de l'année passée. Il y a l'été. Que se passe-t-il en été? Les transferts. Donc, à partir du classement de l'année passée, plus les transferts de l'intersaison, ben on peut faire une estimation du classement futur. Donc, troisième secret, eh bien, c'est les transferts qui ont eu lieu à l'intersaison. Alors, que ce soit pour la valeur de marché, que ce soit pour ces transferts-là, je te conseille d'aller sur le site Transfermarkt, c'est un site gratuit et tu as toutes les données financières, de marché, les statistiques des joueurs, c'est un site formidable qui est gratuit, donc n'hésite pas, transfermarkt.com, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ben les transferts, ça va te permettre de dire, voilà, est-ce que comparé à la saison passée, la qualité de l'effectif a augmenté ou la qualité de l'effectif a diminué? Et crois-moi, tu n'es pas obligé de connaître tous les joueurs de la planète foot. Regarde les valeurs de marché, qu'est-ce qui est rentré comme gros transfert? Ben, il y a un joueur qui est rentré, ok, je ne connais peut-être pas par cœur, je ne suis peut-être pas ce championnat, mais le type, il vaut 60 millions d'euros. Ah, centre-avant, 60 millions d'euros. Tu cliques sur le joueur, tu vas voir que l'année précédente, il a planté 25 buts en Bundesliga par exemple. Tu vas dire, là, c'est intéressant comme renfort. Idem pour la sortie des joueurs, les joueurs qui sont partis, tu regardes la liste, tu vas regarder les joueurs les plus chers qui sont partis, tu ne peux pas étudier les joueurs à 500 000 euros, c'est triste, mais c'est comme ça. Il ne faut pas étudier les détails, il faut étudier au niveau macroscopique, tu regardes les transferts qui sont partis, 20 millions, 30 millions d'euros, tiens, il y a un joueur à 70 millions d'euros qui est parti, qui est-ce? Est-ce qu'il a été important pour l'équipe la saison passée? Du fait qu'il soit parti, bien, est-ce que ça va affaiblir l'équipe? Et voilà, tu vas avoir un aperçu super rapide entre ce qui est rentré, ce qui est sorti sur Transfermarkt et directement, tu peux même cliquer sur le nom du joueur pour voir les stats qu'il a, directement tu vas savoir si la qualité a augmenté ou la qualité a diminué. En tout cas, tu vas te faire une très bonne idée de cela. Donc ça, c'était le secret numéro 3. Secret numéro 4. Évite de déterminer en termes de pari long terme, quand tu places un pari long terme, je trouve qu'il est assez compliqué de parier sur le vainqueur d'un championnat. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que si c'est un vainqueur qui remporte souvent le championnat style Bayern de Munich, la cote ne sera pas intéressante. Il y aura certainement un manque de value, un 20, un 30. Voilà, compliqué de jouer avec de telles cotes. Et si pas, si c'est un championnat équilibré où on change de champion chaque année, c'est très dur d'aller deviner l'équipe qui sera champion parce que ça peut jouer sur des détails. Donc, tu peux essayer. À un moment perso, les marchés que je privilégie, c'est vainqueur sans le favori. Typiquement, tu as le marché en Liga qui est le marché vainqueur sans Barcelone, sans Real. Alors là, direct, les cotes vont être beaucoup plus intéressantes. Tu verras, les cotes sont beaucoup plus élevées parce que tu dois aller choper des équipes qui sont en dessous. Genre, je sais pas, Séville, Atlético, hein, pour rester dans le top 4. Séville, Atlético. Et tu vas choper des cotes super intéressantes. Donc, vainqueur sans le gros favori. Ça élimine le problème des cotes. Il y a toujours une incertitude, mais tu as en tout cas des cotes de bien meilleure qualité. Ou alors le marché top 4. Déterminer si une équipe termine dans le top 4 est pour moi quand même, en tout cas pour moi, est quand même plus facile que déterminer si une équipe sera championne et tu as des top 4 aussi avec de très bonnes cotes. Donc voilà, c'était les 4 secrets pour placer
à pari long terme sur la nouvelle saison 2021-2022, nouvelle stratégie 2021, secret numéro 1, le classement de la saison passée, secret numéro 2, la valeur, le classement par valeur de marché des équipes, secret numéro 3, la liste de transferts à l'intersaison, secret numéro 4, privilégier le marché top 4 ou vainqueur sans le gros favori, sans la machine ou sans, comment on peut appeler ça, sans la grosse cylindrée du championnat Bayern, on va plus dire la Juventus maintenant, mais PSG en France, voilà. Il y a le marché en France, vainqueur sans PSG, voilà, c'est plus intéressant que vainqueur sec. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ces 4 secrets. Si oui, laisse-moi un like sur cette vidéo. Si tu n'as pas aimé, laisse-moi un dislike. Au moins, je sais que ce n'est pas le type de vidéo que tu recherches. Et voilà, moi, ici, pour l'instant, j'ai placé mes paris long terme pour la saison 2021-2022 sur les 4 gros championnats, sauf un qui est la Serie A italienne, parce qu'elle commence plus tard, donc j'ai encore un peu de temps pour l'analyser. Mais en France, en Bundesliga, en Liga espagnole et en Première Ligue, donc 4 championnats, pardon, pour ces 4 championnats, j'ai sélectionné mes paris long terme pour la nouvelle saison. Ils sont dans mon club privé. Si tu es intéressé, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour te laisser découvrir le club. Et tu auras directement, entre autres, ces paris long terme, plus tous les paris quotidiens, évidemment. Et je pense que j'ai tout dit. Donc, sur ce, je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé, écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo.